Nordic. Dans ce week-end estival du mois d'octobre, la grande famille du ski de fond était réunie à Arson pour les championnats de France de ski de fond d'été, comme ce fut déjà le cas en 2022. Des catégories U15 aux abonnés de la Coupe du Monde, ils étaient plus de 700 en quête d'une victoire ski roue au pied. Le stade Florence Bavrel est décidément le jardin de Léonie Besson. Sacrée l'an dernier championne de France U20 du sprint classique au retour d'une saison blanche, la sociétaire du Fecla Formation Longue Distance a récidivé en remportant samedi la médaille d'or de la spécialité chez les grandes. Deuxième de la qualification à 4 centièmes de Léna Quintin, triple tenante du titre, elle a ensuite parfaitement négocié les phases finales, organisées en poule montante et descendante. Ouais, c'était une sacrée course. Je ne me suis jamais confrontée au senior de la Fédération française. Donc c'était surtout une course pour l'apprentissage, pour me comparer aux meilleurs. Et pour l'instant, c'est un samedi réussi. Chez les U20, une Léonie succédait à une autre Léonie. Léonie Perry remportait en effet l'or. Surtout, la jeune femme se rassurait. Enfin, la féclasienne récoltait le fruit de son travail. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné une course en nationale. Je faisais toujours des petits podiums, mais je n'ai jamais gagné depuis au moins 2 ans. Donc là, ça fait surtout beaucoup de bien au moral. Et après une saison avec la mono où ça s'est très mal fini, je suis hyper contente. Là, ça fait du bien au cœur, au moral et à partout. Chez les hommes, le fondeur au savoyard Lucas Chanava était incontestablement le plus fort. Débarrassé de la présence du tenant du titre Richard Jouve, forfait à cause d'une tendinite à un poignet, il a tout simplement dominé son monde. Aucun des 3 tours ne lui a échappé. Ça a été tout au long de la journée, j'étais pas si mal. Puis ça allait presque de mieux en mieux en tour, donc ouais, bien, ouais. Les gains, c'est toujours une référence, donc ça fait plaisir. Et puis, ouais, les sensations qui valident plus le travail que la victoire, mais... Et c'était assez, comment dire, concluant par rapport à ce que je travaille à l'entraînement tout au long depuis le début de l'année, quoi. Avec ce nouveau format aussi, ça ramène vraiment de la densité dans chaque poule. Donc c'est cool, ça fait un bel exercice tout au long de la journée. Sur le podium, Lucas Chanava a été rejoint par le local de l'étape, Rémi Bourdin, titré dans le même temps chez les U23, et le Clus Jules Chapaz. Du côté des U20, c'est le Savoyard Hugo Serrault, vainqueur de la 4e poule, qui décrochait le titre de champion de France. Après la ligne d'arrivée, le jeune homme ne réalisait pas encore ce qu'il venait d'accomplir. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué vraiment à rien, ouais. J'étais de pied jusqu'au bout, ouais, le sprint. Je pensais pas que j'allais revenir, parce que finish poussé, c'est pas mon fort. Mais j'ai serré les dents, parce qu'une finale, c'est toujours... Faut toujours se la donner, quoi. Et ouais, sprint final, j'ai vu que je revenais. J'étais de pied et ça passe, c'est génial. Durant tout l'après-midi, toutes ces courses ont été scrutées par l'entraîneur de l'équipe de France masculine, Thibaut Chêne, plutôt satisfait de ce qu'il avait vu. Un bon bilan dans le sens où on a fait un format qui était un peu différent, que tout le peloton français, que ce soit les meilleurs, le cœur de peloton ou l'arrière du peloton puisse avoir l'expérience d'un tournoi dans son ensemble. Donc le travail, on va dire, physiologique spécifique, il était bon. On a pu travailler des finishes en faux plat descendant, des finishes à haute vitesse, voire en survitesse. Et en filigrane, c'est les Jeux Olympiques de 2026. Le dimanche, dans le Haut-Doubs, le thermomètre n'en finissait pas de grimper pour les individuels skates. Une chaleur qui n'allait pas être sans conséquence. À l'exemple de la course dames U18. La favorite, Annette Coupa, était victime d'un coup de chaud. Elle abandonnait, laissant le champ libre à ses concurrentes. Mais c'est finalement une biathlète, Louise Roguet, qui damait le pion à toutes les fondeuses. Ouais, non, ça fait toujours plaisir de se confronter aux fondeuses parce qu'on est ensemble au lycée, mais on s'entraîne pas forcément ensemble. Donc de voir qu'on n'est pas ridicule chez les fondeuses, ça fait toujours plaisir, ouais. En mars dernier, avec sa carabine, Louise Roguet était devenue championne de France U17 de la Mastart.
Le meilleur fondeur tricolore de la catégorie 18 est définitivement Quentin Lépine. Sacré deux fois champion de France de ski de fond à la fin de la saison dernière à Bessan, il ne trouvait personne pour le chasser de son trône. C'est toujours plaisir, ça montre que cet été on n'a pas fait tout ça pour rien et ça clôture un très bel été passé avec les coachs, les copains et tout ça toujours dans la bonne humeur. Donc si on arrive à prouver que ça fonctionne tout ce qu'on fait, c'est juste incroyable. Quentin Lépine, dernier à s'élancer, s'imposait avec 5 secondes 7 de marche sur l'Anessia, Johan Calandry, son plus farouche adversaire. L'année dernière, sur cette même piste exigeante du stade Florence Bavrel, la Bressot Delphine Claudel avait battu Flora Dolci et décroché le titre national de l'individuel skate. 12 mois plus tard, la plus jeune des deux fondeuses prenait une éclatante revanche sur une athlète qu'elle admire. Et c'est une grande fierté, surtout devant Delphine Claudel qui pour moi c'est clairement un peu mon idole, mon exemple, et donc je suis honorée. Grosse bagarre sur la piste aujourd'hui avec toutes tes copines. Ouais, c'est une piste exigeante, il n'y a pas de moment de récup, du coup il faut tout le temps en emmener. Et puis il y a le petit titre, c'est quand même un petit objectif. Sur la troisième marche du podium, on retrouve une revenante en la personne de Coralie Benz. S'entraînant au sein du Haute-Savoie Nordic Team, la Bomblanaise vise toujours un retour en Coupe du Monde l'hiver prochain. Cette médaille de bronze ne pouvait que la motiver. Cinquième derrière Juliette Ducordeau, la franc-comtoise Chloé Panier remportait le titre national U23 de la spécialité. En U20, c'est la fondeuse du Vercors, Mélina Berthet, qui montait sur la plus haute marche du podium. Ça fait plaisir, c'est encourageant pour l'hiver. Après, c'est du ski roux, c'est la prépa, mais ça donne envie encore plus pour l'hiver. Gagné l'année dernière par un fondeur de la Clusaz, Hugo Lapalu, le titre de champion de France senior de l'individuel prenait en 2023 la direction du Dauphiné. C'est effectivement le Villardien Mathis Desloges qui se révélait le plus rapide sur 10 km. Ouais, ça fait vraiment plaisir, ça montre que ce qu'on a fait cet été, c'était dans le vrai. Donc c'est sûr que c'est vraiment cool. Le fondeur de l'équipe de France relève, coaché par Mathias Vibo, collectionnait carrément les médailles d'or. Une en senior, une autre en U23, pour 3 secondes d'avance sur le franc-comtois Rémi Bourdin, son plus sérieux rival de la journée. Hugo Lapalu, tenant du titre, arrachait cette fois le bronze à 13 secondes 2 de la gagne et sortait le vétéran Maurice Magnifica, quatrième du podium. Chez les moins de 20 ans, le titre national était remporté par Aubin Gaulier, issu du club de Villard-de-Lans. C'est l'aboutissement d'une belle préparation, puis maintenant on met cap sur la saison et on prépare les vrais objectifs de décembre, fin novembre. Du côté des combinés engagés à Arson, c'est le franc-comtois Mathéo Beau, 43e, qui signait la meilleure performance. Sous la houlette du ski club des Fours, ces championnats de France de ski de fond d'été ont, une fois encore, comblé le public. Heureux d'applaudir les cadors du circuit, mais aussi d'encourager la relève tricolore de la discipline nordique.